siku ile ikukute utayari. Usije kulalamika kana kwamba sikujua kwamba siku inakuja. Tayarisha moyo wako hivi sasa, siku ile ikukute utayari. Usije kulalamika kana kwamba hukujua kwamba siku inakuja. Pokea, pokea wa Bwana ukutwe. Tayarisha moyo wako hivi sasa, siku ile ikukute utayari. Usije kulalamika kana kwamba hukujua kwamba siku inakuja. Tayarisha moyo siku ile ikukute utayari. Usije kulalamika kana kwamba hukujua kwamba siku inakuja. Pokea, pokea wa Bwana ukutwe.
Nous commençons le culte de ce soir dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu bénisse son peuple. Et qu'il pardonne à chaque sœur et à chaque frère. Qu'il vienne se réunir avec nous. Qu'il conduise toute l'œuvre pour le bien de tout un chacun de nous. Tunasema, nous disons, et tusimame, mettons-nous debout. Na Mungu wetu abariki watoto wake wote ambao wanatufuata par internet. Que notre Dieu bénisse tous ces enfants qui nous suivent par internet. Ujumbe ni dunia mzima. Le message c'est dans le monde entier.
Bibi arusi ni wa kutoka huko na huko huko na huko. L'épouse vient de par-ci par-là. Na kusanika na bwana wetu pamoja na sisi sote. Pour se réunir avec notre Seigneur et ensemble avec nous tous. Siku ile pale mawinguni. Ce jour-là dans les nuées. Tusome neno la Mungu. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura moja. A partir du verset 17. Kuanzia mustari wa 17. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi, disant, ne crains point. Ne crains point. Usiogope kitu. Usiogope. Amen. Ne crains point. Ivya sema muweza vyote. Ainsi dit le Tout-Puissant. Oga ni pepo. La crainte, la peur est un démon. Oga ni pepo inataka iman. La peur est un démon qui attaque la foi. Inaku. Inakuingizamo doute. Ça sème en toi la doute. Dieu anasema usiogope. Alors il te dit ne crains point. Mungu wetu atupatie sisi sote. Que notre Dieu nous donne à nous tous. Imani. La foi. Na assurance ya kwamba. Et l'assurance que. Mungu wetu alishinda dunia na nguvu yote. Que notre Dieu a vaincu le monde et toute la puissance de l'ennemi. Ne crains point. Usiogope. Moi je suis le premier et le dernier. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Hakuna mwingine. Il n'y a point d'autre. Ambaye anaweza ku kuwa égal kwa Mungu wetu. Qui puisse être égal à notre Dieu. Mungu wetu c'est le tout puissant. Mungu wetu ni mwenye uwezo wote. Mungu wetu c'est lui le créateur. Mungu wetu yenjo muumbaji. Satan. Shetani. C'est une créature. Ni kiumbe tu. C'est une créature. Ni kiumbe tu. Na décision ya Mungu wetu. Et la décision de notre Dieu. Inamwangushaka. Fait tomber Satan. Jusqu'à ce que. Après le jugement dernier. Mpaka wakati, mpaka kisha ule hukumu ya mwisho. Il sera jeté en enfer. Atatupiwa kule mujehanamu. Avec tous les démons. Pamoja na mapepo zote. Et avec tous les hommes. Et les femmes wanaume wote na wanawake wote qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et qui n'ont pas demeuré dans la vérité. Ambao hawakumwamini Yesu Kristo na hawakudumu ndani ya kweli. Wataenda jehanamu. Ils iront dans la gêne. Usiogope Satan. Ne crains pas Satan. Mungu wetu anasema. Notre Dieu dit. Kama unaogopa binadamu. Si tu crains un homme. Wa kukufa. Un homme mortel. C'est que ulisha nisao. C'est que tu m'as déjà oublié. C'est que ulisha nisao. C'est que tu m'as déjà oublié. Ma sœur, mon frère. Dada yangu, ndugu yangu. Ayons la foi. Tukue na imani. Demeurons sans crainte, sans peur. Tudumu pasipo woga, pasipo hofu. Kwa kuwa Mungu wetu anakesha juu yetu. Parce que notre Dieu veille sur nous. Et le vivant. Na aliye hai. Et j'ai été mort. Nilikuwa nimekufa. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Natazama niko hai milele na milele. Et je tiens les clés de la mort. Nami ninashika. Et du séjour de mort. Funguo ya mauti na ya kuzimu. Funguo ya kifo. La clé de la mort. Aiko kumikono ya shetani. N'est pas entre les mains de Satan. Iko kumikono ya Mungu wetu. Elle se trouve entre les mains de notre Dieu.
Njo Nathan anakuambia ananiambia usiogope. Et c'est pour cela qu'il te dit et qu'il me dit ne crains point. Usiogope. Ne crains point. Ta pepo ya magonjo inakuwa inapiga mwili. Même si le démon de maladie peut venir et frapper le corps. Utumainie Bwana. Fais confiance en l'Éternel. Sema Bwana Mungu. Dis Seigneur Dieu. Unisame. Pardonne-moi. Na uniponye. Et guéris-moi. Unipe uponyaji. Donne-moi la guérison. Na Bwana atajibia. Et le Seigneur répondra. Il ne porte pas le nom de sauveur ou de guérisseur. Voilà ya mponyaji. Bourapan. Vénement comme ça, non. Il est jina. Ce nom-là. Ya mokozi. De sauveur. Anaibeba. Il le porte. Mu matendo yote yenye kuna tutendea. Pour toute action, pour toutes les œuvres qu'il fait pour nous. Il dit. Okay. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues. Basi uandike maneno yale uliyoyaona. Et les choses qui sont et les choses qui sont na maneno yaliyo sasa. Et les choses qui doivent arriver na maneno après maneno ambayo yatakayokuja nyuma ya haya. Après celle-ci. Nyuma ya haya. Amen. Amen. Tous y ogope. Ne craignons point. Tupokee salamu za ndugu yetu Sadiki Claver. Recevons les salutations de notre frère Sadiki Claver. Na ya mke wake dada yetu sa femme. Merci tumusifu. Notre sœur merci tumusifu. Depuis USA. Depuis les États-Unis. Ni kule ngambu ya États-Unis wa wanatutumia hii salamu wapendwa wetu. Non, bien-aimé nous envoie des salutations depuis les États-Unis. Na tupokee salamu za pasteur Lilanga wa Kinshasa. Recevons également les salutations du pasteur Lilanga de Kinshasa. Na tutakumbuka. Nous allons également nous souvenir. Pasteur Kabanza. Du pasteur Kabanza. Ku hôpital hôpital ya oui hôpital ya le nom m'échappe, la charité maternelle. Voilà, il est à l'hôpital la charité maternelle. Natutakumbuka dada yetu mko wa ndugu Filemon. Nous allons également nous souvenir de notre sœur, la femme de frère Filemon. Pasteur Kabanza iko mu chambre numéro 12. Le pasteur Kabanza est dans la chambre numéro 12. Mko wa ndugu Filemon iko mu chambre numéro 7. Et la femme du frère Filemon est dans la chambre numéro 7. Natakumbuka pasteur Jacques. Nous allons également nous souvenir du pasteur Jacques. De Minembwe. Wa Minembwe. Iko kwa ile hôpital. Il est également malade à cet hôpital. Tunamisha vichwa vyetu. Inclinons nos têtes. Mungu baba yetu. Dieu notre Père. Kwa sahi tuko mbele yako. En ce moment nous sommes devant toi. Tunainua mioyo yetu kwako. Nous élevons nos cœurs vers toi. Upate neema pa macho yako. Pour que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Mungu baba. Dieu notre Père. Usamehe madhaifu yenye tungali nayo. Pardonne les faiblesses que nous avons encore. Baba yetu tayarisha maisha yetu. Notre Père prépare notre vie. Ifikie kwenye mapenzi yako yiko. Pour qu'elle soit ce que ta volonté. Ututakase na neno lako. Sanctifie-nous par ta parole. Utujaze na roho wako mtakatifu. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Wagonjwa wote. Tous les malades.
Partout où il se trouve, c'est toi le médecin, toi seul. Dans la main de guérison, et que chaque malade reçoive la guérison, Père. Que la gloire te revienne, toi seul. Et que Satan soit confus. Notre Père et notre Dieu, souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Freddy Kabanza. Souviens-toi de notre sœur, la femme de Frère Philémon. Pasteur Jacques. Et souviens-toi également du pasteur Jacques. Qui sont internés à l'hôpital là-bas. Que ta main les touche. Et qu'ils reçoivent la guérison. Et tous ceux qui sont ici. Et qui se sentent faibles dans le corps. Donne-leur la guérison. En ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tupokee salamu za dada yetu Elize Kahindo. Recevons les salutations de notre sœur Elize Kahindo. Kutoka Bunia. Depuis Bunia. Dada Elize Kahindo kutoka Bunia. La sœur Elize Kahindo venant de Bunia. Iko hapa. Est-ce qu'elle dada est ici? Iko pale. La sœur est là-bas. Bwana Mungu akubariki katikati yetu. Que le Seigneur Dieu te bénisse parmi nous. Tupokee salamu za pasteur. Recevons les salutations pasteur Jacques Hassani. Du pasteur Jacques Hassani. Wangambo ya Kalemi. Depuis Kalemi. Naza pasteur Shindano wa Bukavu. Et du pasteur Shindano de Bukavu. Zinaletwa na ndugu Jacques. Elles nous sont apportées par le frère Jacques Bekwa. Jacques Bekwa. Kutoka Kalemi. Ndugu Jacques Bekwa. Frère Jacques Bekwa. Est-ce qu'il est ici? Jay Kwapa. Ndugu Jacques Bekwa. Frère Jacques Bekwa, il est là au balcon. Bwana Mungu akubariki katikati yetu. Que le Seigneur Dieu te bénisse parmi nous. Na tutaomba tena. Nous allons également. Kisha kusikia neno la Mungu tutaombea safari. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons prier pour le voyage. Yandu Samuel Major. De notre frère Samuel Major. Atenda huko ngambo ya Kinshasa. Il va aller à Kinshasa. Na tunakumbusha kwamba kesho. Nous rappelons également que demain. Maombi itakuwa hapo mchana na usiku. Il y aura réunion de prière la journée comme la nuit. Ndugu wa kutuongoza katika maabudu. Le frère qui va nous conduire dans l'adoration. Aje atuongoze tumwabudu Mungu wetu. Nous conduire pour que nous puissions adorer notre Dieu. Tembea Bwana katika jina la Yesu Kristo. Namba 281 Desa 81 nyimbo za wokovu. Yote ninayo niliyapokea kwa wema wake unaoene. Asifu Yesu namu Aleluya, ni ye kuwa, ni me toka.
Oh,
Christo Ame komborewa Toka sheria Ya zambi Hakuna hukumu Kwa aliye Nani ya Christo Ame komborewa Toka sheria Ya zambi Yeah.
juru. Ce soir, nous avons notre frère Deo de Lubumbashi qui, pendant tout ce temps de confinement, est ici à Goma, travaillant chez MSF. Alors son contrat ici à Goma a pris fin. Il doit retourner à Lubumbashi le mardi de la semaine prochaine. Il est prédicateur, il nous a demandé s'il pouvait apporter la parole de Dieu cette semaine. C'est ainsi que nous lui avons accordé cette semaine. Le mardi, il a prêché à Keshero. Hier, il a prêché à Mugunga. Leo tukonaye. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Siku ya tano, atakuwa Bugamba. Le vendredi, il sera à Bugamba. Na siku ya enga, atamalizia pale Turunga. Et le dimanche, il va terminer là à Turunga. Na kama Mungu anamufungulia mlango, siku ya pili anaweza kuchukua ndege na kurudia. Et si Dieu lui ouvre la porte, le mardi il peut prendre l'avion et rentrer chez lui. Atatuletea sauti ya Bwana. C'est lui qui va nous apporter la voix du Seigneur. Je kama anarudia siku ya pili abebe salamu zetu Lubumbashi. S'il retourne mardi, peut-il apporter nos salutations à Lubumbashi? Hivi tunamkaribisha. Ainsi nous l'accueillons. Karibu bien aimé Deo. Bienvenue frère Deo. Frères et sœurs, Wandugu na wadada, ce soir nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jioni ya leo tunawasalimu katika jina la damani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je crois que nous sommes dans la joie. Na amini ya kwamba tuko katika furaha. Parce que ici c'est la maison de notre Père. Kwa sababu hapa ni nyumbani mwa baba wetu.
David disait, Daoudi alikuwa akisema, je suis dans la joie niko katika quand furaha, on me dit, wakati allons dans la maison du Seigneur. Twende nyumbani mwa Bwana. Et la Bible ajoute, na Biblia inaongeza, vaut mieux un jour dans ses parvis heri siku moja que mille ailleurs. Katika viwanja vyake kuliko siku pour elfu nous, fasi ingine. Pour nous, kwetu sisi, c'est le plus beau endroit au monde. Injo fasi ya mzuri sana mudunia. Et dans notre foi, na katika imani yetu, ici Dieu nous parle. Hapa Mungu anasemaka nasi. J'espère que Dieu va nous assister. Na zani ya kwamba Mungu atatusaidia. Comme le berger l'a dit, kama vile mchungaji alisema, je seulement aujourd'hui. Niko tu na siku ya leo. Donc, je top chrono 60 minutes. Manake niko tu na dakika makumi sita tu kabisa. On va essayer d'aller un peu vite. Tutajaribu kwenda upesi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Kwa sababu hatuna wakati mrefu. Recevez les salutations de frère Jean Mueloa. Mupoke salamu za ndugu Jean Mueloa. Il a déjà prêché ici. Alishaka upili hapa. Il m'a demandé de vous saluer. Aliniomba je parlais avec le frère Eugène, c'est l'un des anciens de l'Assemblée de Lubumbashi. Nilisema vile vile na il m'a demandé de vous saluer. Eugène ni mzee mmoja wa wazee wa pale Lubumbashi na niliomba niwasalimu. Et j'étais hier à Mugunga. Na jana nilikuwa le frère Imondi partout vous passez saluez-les. Wandugu walisema kote kwenye utapita wasalimu. Et que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Et que Dieu vous bénisse richement. Na Mungu awabariki sana. Parce que avec la pluie. Kwa sababu pamoja na mvua. Vous êtes venus. Ijapokuwa mvua mlikuja. Alors, attendons-nous tous au Seigneur. Sasa sote tujingojele kwa Bwana. Avant de lire l'écriture d'aujourd'hui. Mbele ya kusoma andiko ya siku ya leo. Je vais juste parler de l'actualité. Nitasema kuhusu mambo ya sasa. Et deux choses, deux points. Nukta mbili tu. Le premier point sur l'actualité. Nukta ya kwanza kuhusu mambo yako napitika kwa sasa. C'est que le 13. Ni ya kwamba le 13 août. 13 mwezi wa mnane. Les Émirats Arabes Unis. Inchi ambayo inaitwa Emirats Arabes Unis. C'est un de pays arabes. Ni moja ya inchi za Kiarabu. Il est devenu le troisième pays à normaliser ses relations avec Israël. Ilikuwa inchi ya tatu ya Kiarabu ya kusawanisha mahusiano yake pamoja na Israel. Et ça c'est après Égypte et la Jordanie. Na ile ni kisha inchi ya Misri na Jordanie. Et un mois plus tard, na, mwezi moja baadaye, il y a eu un autre pays du Golfe. Kukakuwa engine inchi ya kule c'est le Bahreïn qui a aussi signé inchi ya Bahreïn ambayo l'accord nayo avec Israël. Mapatano ya salama pamoja na Israël. Et alors le président américain, sasa, raisi l'actuel wa président américain, il disait raisi wa sasa wa Marekani akasema, que ça ce sont des accords historiques. Ya kwamba hii kabisa ni mapatano ya kihistoria. Il disait que na, alisema ya ça kwamba, va établir les fondations pour une paix globale. Itatia msingi kwa ajili ya salama ya jumla kwa ile eneo yote. Donc pourquoi j'ai dit ceci? Asa kwa nini nasema hivi? Parce que nous sommes nourris de la bonne manière. Ni kwa sababu sisi tunalishwa vizuri sana. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Sisi ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Nous avons tout pour notre préparation. Tuko na kila kitu kinachofaa juu ya matayarisho yetu. Oui, nous avons l'évangile avec nous. Ndio tuko na injili pamoja nasi. Nous avons l'enseignement. Tuko na mafundisho. Mais nous avons aussi la parole prophétique. Lakini tuko vile vile na neno la unabii. Qui est une lampe. Ambayo ni taa. Qui nous éclaire. Inayotuangazia. C'est pourquoi nous, pendant ce temps, jomanasisi mwa wakati, qui a des ténèbres partout, ambako kuna giza mahali pote, mais Dieu nous éclaire. Lakini Mungu anatuangazia. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça comme actualité? Kwa nini nasema kuhusu ile jambo kama vile mambo inayopitika kwa sasa? Il y a notre frère Franck qui dit dans la lettre circulaire numéro 51 de janvier 2000. Ndugu yetu Franck anasema katika barua mzunguko ya namba 51 ya mwezi wa kwanza mwaka 2000. En tout dernier il s'agira du traité principal. Anasema kumwisho mwisho sasa itahusu ile mapatano. Kumwisho mwisho kabisa. Donc ça c'est une fondation. Hii kabisa ni msingi. Ça prépare déjà. Inatayarisha tayari. Et il dit Rome. Roma viendra s'intercaler. Itakuja kujiingiza. Parce que il est considéré. Kwa sababu inakamatiwa. Il est bien considéré. Kwa sababu inaheshimiwa. Et je saute. Naruka. Il ne s'agit pas de Jérusalem seulement. Haihusu tu Yerusalem. Mais bien de la montagne de Sion. Lakini zaidi sana ile mlima Sayuni. Donc ici les frères veulent nous dire que manake hapa ndugu yetu anatafuta kutuambia ya kwamba ça c'est juste une fondation, ça prépare quelque chose. Hii ni msingi tu, inatayarisha kitu fulani.
Ça prépare cette alliance là. Inatayarisha ile agano wale le patano. Qui va se passer? Enye itafanyika. Ouais. Et là, notre frère Branham aussi, na, ndugu yetu Branham il dit nae, dans la brochure Révélation de sept sceaux, katika brochure numéro 3, ufunuo, paragraphe 259, mustari ya 259 na kenda. Il dit, en ce moment-là, anasema kwa ile ce waka, prince ule mfalme, doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, anapashwa fanya patano qui na est taifa, le peuple juif. Na watu wa, na taifa ya Daniel ambao ni taifa ya Kiyahudi, ni pale. Ni pale sasa. Cela se passe lorsque l'épouse est enlevée. Ça, c'est ce que je veux insister. Bibi arusi ananyakuliwa pale njoko enda kazia. Elle ne le verra pas. Wala bibi arusi hataona ile. Ainsi, après l'enlèvement de l'église, ivi kisha kunyakuliwa Rome kwa et kanisa, les Juifs concluront une alliance l'un à l'autre. Watafanya mapatano wa moja na wengine. Et une exhortation de notre frère Frank. Na onyo ya ndugu yetu Frank. Il dit ici, apa, c'est au croyant biblique. Ni kwa waamini wa kibiblia. Nous qui sommes croyants bibliques. Sisi ambao tuko waamini wa kibiblia. Que nous posons la question. Ni kwa waamini wa biblia ndio tunauliza swali. Si maintenant. Je sasa. Déjà se prépare ce qui va arriver après le retour de Jésus-Christ. Kama kwa sasa vyenye vitafika nyuma ya kurudi kwa Yesu binaanza tayarishwa. Combien cette exhortation de notre Seigneur. Oh, mara ngapi onyo ya Bwana wetu. Nous réveiller. Il pashwa kutuabisha na kuenda kabisa kwenye moyo wetu. Et quand ces choses commenceront à arriver, na wakati mambo haya yataanza kufika, regardez en haut, muangalie juu, levez vos têtes, muinue vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu unakaribia. Car voici je vous ai dit en avance, kwa sababu tazama niliwaambia mbele. Frère, ndugu, si les choses kama mambo qui doivent arriver pendant que l'épouse est partie, ça commence à se préparer, nous devons lever nos têtes. Notre rédemption approche. Ukombozi wetu unakaribia. Et l'autre point sur l'actualité, na ingine nukta kuhusu mambo inayopitika kwa sasa, c'est l'actuel pape François. Ni papa wa sasa, papa Francisco. Lui, le pape François, papa Francisco, il est en train de défendre les droits. Anatetea haki. Il est en train de défendre les droits de l'union civile des personnes homosexuelles. Iko anatetea haki ya ile kuungana kimwili ya watu wa jinsia moja. Il a dit ces couples ce sont aussi des enfants de Dieu. Alisema wale watu wenye wanaoana mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, nao ni watoto ya Mungu. Donc il faut qu'il y ait une loi. Manaki nafaa kukuwe sheria pour qu'il soit dans l'union civile. Juu bapate kuungana kiserikali. Et sa frère, na ile ndugu, et Jésus-Christ nous disait, Yesu Kristo alikuwa anatuambia, que ce qui était au temps de Noé, ya kwamba venye vilikuwa wakati ya Noa, bitafika vile. Mais nous le voyons. Lakini tuko tunaviona mbele yetu. Ça c'est un point de l'actualité. I nayo ni nukta ya mambo yenye kunapitika kwa sasa. Il dit, mais ils sont aussi enfants de Dieu. Anasema nabo ni watoto ya Mungu. Il faut aussi les reconnaître. Inafaa kuwatambua nabo. Mais voyez, ça fait pitié parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui partent là-bas. Binaleta uzuni juu kungali watu mingi venye bangali naingia kule. Là-bas, il n'y a rien de Dieu dedans. Kule hakuna hata kitu kia Mungu. C'est une religion. Ni dini tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Sasa tutasimama. Lire la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. Tutasoma katika wa Korinto wa pili. Nous allons ouvrir nos Bibles, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Wa Korinto wa pili, sura ya kwanza, si nous trouvons, nous lisons ceci. Kama tunapata, tunasoma hivi. Car, kwa sababu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, kuhusu ahadi zote za Mungu, c'est en lui que le oui. Ni katika yeye njo mko ndio. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nasi kwa utukufu wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons courber nos têtes pour la prière. Tutainamishwa vichwa vyetu juu ya maombi. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Toi l'auteur de cette parole que nous venons d'écrire. Uliandika hii neno ambao tunatoka kusoma. Jioni ya leo tunajingojelea kwako. Viens parler à nos cœurs. Uje useme na mioyo yetu. Honore la foi de tout un chacun. Uheshimishe imani ya kila mmoja wetu. Seigneur, nous croyons que tu es le même. Bwana tunaamini ya kwamba wewe ni yule yule jana leo na hata milele. C'est pourquoi
pourquoi nous nous attendons à toi. Seigneur, donne-nous les paroles de grâce pour l'édification et la perfectionnement de ton peuple. Et Seigneur, c'est pour ta gloire. Et c'est pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, vous allez vous asseoir. Donc aujourd'hui, Saleo, nous voulons partager une pensée. Tunataka kugawanya wazo fulani. Nous voulons parler sur les promesses de tunatafuta Dieu. Tunatafuta kusema kuhusu ahadi za Mungu. Les promesses de Dieu, ahadi za Mungu, et leur accomplissement. Na utimilifu yazo. Et donc, quand je lis la version Martin, hivi sasa wakati nasoma tafsiri ya Biblia Martin, hii ni tafsiri ya Louis II. La version Martin dit ceci. Tafsiri ya Martin inasema hivi. Car, kwa sababu, tout autant qu'il y a des promesses, gisi kuko maahadi. Ça c'est une bonne traduction. Ah, ile ni tafsiri ya mzuri. Tout autant qu'il y a des promesses, gisi ahadi za Mungu ziko. Elles sont oui. Zile ahadi ni ndio. En lui. Ndani mwake. Et amen. Na amina. En lui. Ndani mwake. À la gloire de Dieu. Kwa utukufu wa Mungu. Par nous. Kutupitia sisi. Frère. Ndugu. Nous sommes un peuple de promesses. Sisi ni watu wa ahadi. Dieu nous a fait des promesses. Mungu alitutolea maahadi. Et la promesse. Na ahadi. C'est-à-dire, ni kusema, c'est un engagement de faire quelque chose. Ni kusudio ya kufanya kitu fulani. C'est une obligation. Ni shurti d'accomplir quelque ya chose. Ya kutimiza kitu fulani. Et ici, na apa, c'est pas un homme qui a fait ça. Haiko mutu njo alitoa ahadi. Mais c'est Dieu lui-même lakini qui a promis. Mungu mwenyewe njo aliahidi. Le Dieu qui ne ment jamais. Mungu ambaye hasemake uongo kamwe. Il a fait des promesses. Alitoa maahadi. Donc il est capable. Manake yeye anaweza. Il va les accomplir. Anaweza kuzitimiza. Et c'est ce que dit la Bible. Na njo kenye Biblia inasema. Quand il s'agit de promesses. Wakati nahusu ahadi za Mungu. Oui. Ni ndio. Et c'est amen. Na ni amina. Frère, ndugu, nous ne doutons rien. Si atushaki ataki. Sur tout ce que Dieu dit. Kuhusu kyote kenye Mungu anasema. Wakati anasema. Il a la puissance. Iko na uwezo. Accomplir cela. Ya kutimiza kenye amesema. Frère, ndugu, le même Dieu. Ule ule Mungu. Celui qui a commencé l'œuvre de la création. Yeye ndio alianza kazi ya uumbaji. Et aujourd'hui. Na leo. Nous pouvons voir des montagnes. Tunaweza kuona milima. C'est Dieu qui les a créés. Ni Mungu ndio aliziumba. Nous pouvons voir des mers. Tunaweza kuona mabahari kubwa. Ni Mungu ndio aliziumba. Tunaweza ona maji kubwa kubwa. Ni Mungu ndio aliumba ile yote. Leo tuko tunafangalia na kufurahia ile utimilifu yote yote yenye Mungu alifanya. Na ule ule ambaye alianza ile kazi ya ukombozi na iko anaimaliza pamoja nasi. Nous Dugu. Sommes un peuple à part. Sisi ni watu wa kipekee. Nous sommes dans un plan spécial. Tuko katika mpango ya kipekee. Mpango ya ajabu pamoja na Mungu. Nous avons des responsabilités, frère. Tuko na majukumu ndugu. Dieu en ce moment. Mungu mwa hii wakati. C'est la chose la plus précieuse. Kama kuko kitu kia damani sana. Dieu, kwa Mungu. Sur la terre. Kudunia. C'est son épouse. Ni bibi harusi wake. Et ça c'est toi et moi. Na ni wewe na mimi. C'est ce que dit Luc. Luc 2:14. Luka nasema Luka sura ya 14. Wakati pardon. Alors ça c'est notre Seigneur. Wakati wa malaika walikuja kwa kuzaliwa kwa Bwana wakasema amani duniani. Parmi les hommes. Katikati ya watu ambao anakubali. Nous sommes un peuple. Sisi ni watu ambao Mungu anakubali. Nous sommes un peuple sisi, sur la terre. Ni watu duniani ambao Mungu anakubali. Nous sommes un plan spécial. Sisi tuko katika mpango wa kipekee pamoja na Mungu mwenyewe. Frère, nous avons des responsabilités. Mungu tuko na majukumu. Oui. Ndio. Dieu. Mungu. Il tient sa parole. Anashikilia neno lake. Wakati anaahidi. Mais il accomplit. Anatimizaka. C'est pourquoi Njomana, si nous lisons la Bible. Kama tunasoma Biblia. On va lire dans Hébreux. Tutasoma katika Waebrania. Hébreux 6, Waebrania sura 6, verset 13. Mustari wa 13.
La Bible dit ceci. Biblia nasema. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Wakati Mungu alimpa Abraham ahadi. Il a fait la promesse à Abraham. Alipatia Abraham ahadi. Parce qu'il ne pouvait pas jurer. Kwa sababu hangeweza kuapa. Par un autre qui est plus grand que lui. Mwingine aliye mkubwa kuliko yeye. Alors il jura par lui-même. Akaapa kwa yeye mwenyewe. Il n'y a pas un grand que Dieu. Hakuna mkubwa kuliko Mungu, hapana. C'est pour ça qu'il a fait la promesse. Jo mana wakati il a jiwe parimé. Hapa kwa yeye mwenyewe. Et pour nous, dans verset 17, il est dit, c'est pourquoi Dieu kwa mana Mungu voulant montrer wa, avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse wariti wa qui ahadi, sont nous, ambao ni sisi. L'immuabilité de sa résolution. Ya kwamba kusudi yake haiwezi kubadilika. Mungu akaapa. Nous sommes un peuple. Ndugu sisi ni watu. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Ambao tulifanya agano na Mungu. Le peuple ni la nouvelle alliance. Watu wa agano jipya. Et cette alliance. Na ile agano. A été conclu. Ilifanyika. Ni kwa damu yake. Le sang de Dieu lui-même. Damu ya Mungu mwenyewe. Qui a été versé pour nous. Ambao ilimwangika juu yetu. Nous sommes un peuple spécial. Sisi ni watu wa kipekee. Oui. Ndio. Dieu. Mungu. Dans les choses de Dieu. Mubitu ya Mungu. Dans les plans de salut. Mupango ya wokovu. Il fait toujours des promesses. Mungu anatoaka kila mara maahadi. Et quand le temps arrive. Na saa wakati inafika. Il verse sa parole. Anakesha kuneno lake. Et il réalise. Na analitimiza. C'est ce qu'on va lire dans Jérémie. Joenye tutasoma katika Yeremia. On va lire Jérémie 1. Tutasoma Yeremia sura moja. Verset 12. Mustari ya kumi na mbili. La Bible dit ceci. Biblia natuwa. Et l'Éternel me dit. Na Bwana akaniambia. Tu as bien vu. Umeona vema. Car je veille sur ma parole. Kwa maana na kesha juu ya neno langu kwa kulitimiza. Pour nous. Kwetu sisi. Quand il s'agit des promesses de Dieu. Wakati nausu ahadi za Mungu. Amen. Ni ndio na amina. Tuna amini. L'épouse. Bibi harusi. Tu dois croire à toute la parole. Anapashwa amini neno lote. Hakuna kutosha mbo. On ne retire rien. Nous croyons toute la parole de Dieu. Tuna amini neno lote la Mungu. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Kwa sababu ni Mungu ndio aliisema. Ndio. C'est pourquoi. Njo kwa maana. La foi véritable. Imani ya kweli. La foi. Imani. Réelle. Ya kweli. Véritable. Ya makweli. Elle est ancrée. Inatiwa na. Dans les promesses de Dieu. Ndani ya ahadi za Mungu. La foi véritable. Imani ya kweli. C'est ancré dans les promesses. Inatiwa nanga ndani ya maahadi. Quand nous parlons de la foi. Na wakati tunasema kuhusu imani. La foi. Imani. Marche toujours. Inatembeaka. Kila mara na utiifu. La foi et l'obéissance. Imani na utiifu. Ensemble. Inatembeaka pamoja. Si tu dis que tu as la foi. Kama unasema uko na imani. Oui. L'obéissance doit être là. Utif, et ça c'est l'épouse de Jésus Christ. Na ule ni bibi arusi wa Yesu Christ. C'est une épouse obéissante. Ni bibi arusi mtiifu kuneno. Frère, Ndu. Si tu dis que tu as la foi. Kama unasema uko na imani. Mais il n'y a pas des œuvres. Lakini hakuna matendo. Ndu. Ça on va douter. Pale tutashakia. Njo kenye Yakobo anasema. Que les démons aussi croient. Ya kwamba mapepo nazo zinaamini. Ils ne peuvent pas produire les fruits. Lakini yaso hazizi kuzaa matunda. Donc, les véritables enfants de Dieu. Ils obéissent. Parce qu'ils sont comme Isaac. Kwa sababu biko sa vile Isaka. Nous sommes les enfants de la promesse. Sisi tuko watoto wa ahadi. Comme Isaac. Kama vile Isaka. C'est ce que dit Romains 9. Jo kenye wa Roma sura 9 anasema mstari ya 8. Les enfants de Dieu aujourd'hui. Watoto wa par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Nous sommes enfants de la promesse. Sisi ni watoto wa ahadi. Comme Isaac. Kama vile Isaka. Et nous obéissons. Na tunatii. Frère, obéissance c'est quoi? Ndugu. Obéissance c'est quoi pire? Où est l'obéissance? L'obéissance. Utiifu. L'obéissance. Utiifu. Ça c'est notre part. Njo sehemu yetu. Obéissance. Utiifu. Notre part. Njo sehemu yetu. Si tu échoues d'obéir à la parole, comme on a chindwa kutii neno, donc ça ne t'appartient pas. Haifai kujiuliza vya mingi. Manake kwa wenyewe biendeke. L'obéissance. Utiifu. Ça c'est notre part. Jo sehemu yetu. On doit obéir à la parole. Tunapashwa tii neno. Ils croient à la parole. Wana amini neno. La parole de la promesse. Neno la ahadi. Et ils obéissent. Na wanatii. Ce jour-là. Ile siku. Notre père Abraham. Baba yetu Abraham. Lui c'est le père de la foi. Yeye ni baba wa imani.
Quand Dieu lui a dit, wakati Mungu alimwambia, prends ton fils là, kamata mwana wa, ton unique fils, mwana wako wa pekee, tu vas partir me l'offrir, utaenda nitolea naye. Ha, frère, ndugu, il faut imaginer ça. Quand nous lisons, inafaa kufikiria, wakati tunasoma, on pense que c'est une histoire comme ça. Tunazaniaka tu ni hadithi hivi, lakini inafaa kuitia muhakika ingelikuwa wewe. C'était un enfant. Ni ilikuwa mtoto. Il a eu dans la vieillesse. Mwenye alipata mubuse. Ton fils la limite. Mungu anamwambia ule mtoto wako wa pekee uende nitolea naye. Mais parce que Abraham. Lakini kwa sababu Abraham. Il est le père de la foi. Yeye ni baba wa imani. Il a cru en Dieu. Aliamini Mungu. Il a dit, alisema, mimi ndamutoa. Et il est parti. Na akaenda. Il a fait 3 jours de marche. Alikuwa na siku 3 za mwendo. 3 jours de marche. Siku 3 za mwendo. Ils sont arrivés. Bakafika. Ils ont vu la montagne. Bakaona mlima. Où ils devraient offrir Isaac. Mwenye walipashwa kutolea Isaka. Isaac. Qui est un fils obéissant. Mwenye ni mtoto mtiifu. Il a dit. Akasema. Papa. Baba. Les bois sont là. Makuni iko. Je vois déjà l'autel qui est prêt. Naona mazabau iko tayari. Le feu est là. Moto iko. Mais où est l'agneau? Asa mwana kondo iko wapi? L'agneau pour l'offrande. Mwana kondo ya sadaka iko wapi? Abraham. Qui était le père de la foi? Ambaye alikuwa baba wa imani. La réponse qu'il a donné. Jibu yenye alipana. Jibu. Akasema Mungu mwenyewe atajitayarishia. Frère. Ndugu. Ça c'était la foi. Ile ilikuwa imani na utiifu vyenyewe vilikuwa vinatembea pamoja. Oui. Ndio. Et Dieu. Na Mungu. Kule mbinguni. Wakati anaona ile Mungu anapaswa tenda. Ndio. Mungu atatenda. Quand les deux sont là. Wakati le mbili iko pale Mungu atatenda kabisa. C'est pourquoi. Njo maana. Même ce soir. Hata jioni ya leo. Si tu es là, frère. Kama uko pale ndugu. Tu as déjà crié au Seigneur. Ulisha muamini Bwana. Tu t'es déjà repenti. Ulisha tubu. Si dans ton cœur. Kama ndani ya moyo wako. Ton cœur est calme. Moyo wako inatulia. Y a pas de doute. Hamuna mashaka. Rien ne te condamne. Hakuna kienye kinakuhukumu. Tu sais que. Na unajua tu ya kwamba. Tu n'as pas encore reçu l'esprit promis. Hauyapokea roho aliyeahidiwa. Ndugu. Cette promesse. I ahadi. Ni kwa ajili yako. Répondis que c'est là. Uidai. Mais Dieu va le faire. Mungu atabifanya. Mungu atabifanya. Mungu anashurutishwa. Anashurutishwa na neno lake atabifanya. Mais vous savez pourquoi Dieu n'agit pas? Munayewa chwa nini Mungu atende? Parce que dans ton cœur. Ni juu ndani ya moyo wako. Il y a des doutes. Muko mashaka. Il y a des condamnations. Muko hukumu. Mais là. Lakini lui pa. Ne peut pas venir. Ye hawezi kukuya. Là où il y a la condamnation. Kwenye kuko hukumu. Et Abraham. Na Abraham. Et lui qui avait la foi. Ye mwenye alikuwa na imani. Na Isaka. Quand on a pris, on a lié les mains. Wakati walikamata wakamfunga mikono, wakamfunga miguu. Il n'a pas dit, mais papa. Hakusema papa. Moi, je vois que tu es méchant. Mimi naona uko mbaya kabisa. Unatafuta nifanyizie nini? Mimi si on dit Dieu Dieu. Hata wanasema Mungu Mungu kabisa. Je, vraiment utaniua mie mwana wako? Il ne s'est pas révolté. Hakutomboka kabisa. Frère. Aujourd'hui. Leo. Non, frère. Hapana ndugu, ni hatari. Mais frère, ndugu. Dieu, Mungu, il hait la désobéissance. Anachukia kutokutii. C'est ce qu'il dit dans Samuel. Njoo kenye anasema katika Samueli wa kwanza. Anachukia kutokutii. Et la résistance. Na kubishana. Il compare la désobéissance. Mungu analinganisha kutokutii na kuabudu sanamu. Na kubishana na neno lako kama vile kulaguza. Frère, ndugu. Les gens sont résistants. Batu bana shindana na neno. Batu bana kosa utiifu. Savez, je vais vous dire quelque chose. Nitawaambia kitu fulani. Quand on dit. Wakati bana sema. Le berger te dit. Wakati mchungaji anakuambia. Tu as un problème avec ta femme. Uko na shida na mke wako. Anasema ndugu. Viens au bureau, on va parler. Kuya kwenye office tutazungumza. Wewe unasema hapana. Mimi sitakuja. Mimi fais quoi là-bas? Ndugu, mimi nini nende kufanya nini kule? Tu commences à dire à ta femme. Unaanza ambia mke wako. Va dire au pasteur que moi je viens pas. Enda ambia mchungaji kama sitakuja. Le pasteur t'appelle. Mchungaji anakuita. Tu es fâché, tu ne prends pas les téléphones. Unasirika haukamate simu yake. Mais le berger te dit. Mchungaji anakuambia. Ndugu. Nous sommes l'époux. Sisi ni bibi harusi. Dans notre foi. Muimani yetu. Tunapaswa tii neno lote. Mungu anachukia talaka. Usifanye vile. Unasema nini? Mais moi je vais me marier. Mimi ndaoa tena. Frère la résistance. Ndugu ile kushindana na neno. La résistance. Utomboshi jini ya neno na kutiifu na kukosa utiifu. On vous dit. Banakuambia. Habillez-vous correctement. Vala les gens résistent. Batu banashindana banabishana na yeye. Sisi kama bien ici. Hata hapa wakati tunakuja. Les gens qui mettent de, qui
prends déjà des places pour les autres. Batu benye bananza wekeana na mafasi. J'étais quelque part. Nilikuwa fasi mwaivi. Où c'était une sœur. Kwenye kulikuwa dada. Qui commençait mwenye aka à menacer une autre sœur. Akaanza kushambulia dada mwingine. Parce qu'elle a raté le mariage. Juu elle ali, a dit alikosa si ndoa. Si tu acceptes ce frère là, tu vas voir. Tu vas mourir. Juu yeye ndoa yake iliharibika akasema ukitika tu le ndugu utakufa. Ça c'est pas l'épouse. Ule haiko bibi harusi. Frère, Dieu a dit, ndugu Mungu alisema, je vous donnerai nitawapa le berger selon mon cœur. Wachungaji sawa sawa na moyo wangu. Et dans Acte, na katika matendo ya mitume Paulo alikuwa anasema, ce sont des anciens ni wazee que le Saint-Esprit a établi. Donc, waliweka, quand ils sont là, manake wakati ils sont établis par le Saint-Esprit. Baliwekwa na Roho Mtakatifu. Et ils ont le devoir de nous conduire selon la parole de Dieu. Na kazi ya et nous devons être obéissants. Si Jésus était là au bureau, Yesu angelikuwa kule kwenye office, Yesu yuko anakushauri. Yesu yeye peke iko anakuambia ndugu usifanye hivi. Kulingana na neno. Non, je veux pas. Je utasema sitaki. Mais pourquoi nous résistons? Asa juu ya nini leo tuko tuna on va continuer. Bishana leo. Donc ça c'était Abraham. Asa Abraham. Et avec Isaac. Na Isaac. Comme c'était l'obéissance. Kama vile ilikuwa utii. Et la foi qui marchait ensemble. Na imani vilikuwa vinatembea pamoja. Mungu akatenda. Et c'est ce que dit Paul. Na ndio kenye Paulo anasema. Si nous lisons dans Romains 1. Kama tunasoma katika Waroma sura moja. Romains chapitre 1. Waroma sura moja. Verset 5. Mstari wa 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Oui, mais c'est ça. Donc nous pouvons aussi lire tunaweza kusoma vile vile dans Galates katika wa Galatia Galates 3 wa Galatia sura 3 verset 29 mustari makumi mbili na kenda Galates 3 wa Galatia sura 3 verset 29 mustari makumi mbili na kenda la Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi et si vous êtes à Christ vous êtes donc Christo, la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, wariti kulingana na ahadi, héritier selon la promesse, wariti kulingana na ahadi. Oui, Dio, mais c'est ça. La donc, Isaac a obéi. Isaac et nous pouvons aussi lire notre modèle. Na tunaweza kusoma vile vile le modèle de tout croyant. Kielelezo ya kila muamini. On va lire ça dans Philippiens. Tutaisoma katika wa Philippi. Sura ya verset 8. Ya mnane. Il s'est humilié lui-même. Ali jinyenyekeza ye mwenyewe. Se rendant obéissant. Akijifanya mtiifu. Jusqu'à la mort. Hadi mauti. Même jusqu'à la mort de la croix. Hadi mauti ya msalaba. Ça c'est le modèle. Unjo modèle wetu Yesu Kristo. Notre modèle lui-même. Yesu Kristo modèle wetu. Il était obéissant. Alikuwa mtiifu. C'est pourquoi ce jour-là. Ndio maana ile siku. Quand il était à Gethsemane. Wakati alikuwa pale Gethsemane. Hali kabisa ilikuwa hatari. Oui. Ilikuwa wakati ya hatari kabisa. Parce que c'est ce jour-là. Kwa sababu ni ile siku. Où Jésus-Christ. Jo Yesu Kristo. Devrait accepter. Alipashwa kubali. Deporter les péchés. Beba zambi. Deporter le fardeau de toi. Beba mizigo yako. Et le fardeau de moi, frère. Na mizigo yangu ndugu. La Bible dit. Biblia inasema. Il a prié. Aliomba. Il a prié. Aliomba. C'était une prière de détresse. Ilikuwa ombi ya il a prié. Il a prié. Jusqu'à ce que la sueur se change en grimaud de sang. Ikakuwa matoni ya damu. Est-ce que tu as déjà prié comme ça? Je ulishaka omba vile ici, wakati tuko hapa. Les gens y pensent au business. Batu biko na waza, biko na fikiria oui, biashara yao. Mais ce jour-là, lakini notre ile Seigneur, si, Bwana wetu, quand il s'agissait, wakati ilikuwa pour na ta rédemption, ukombozi il a prié, aliomba, aliomba. Jusqu'à ce que la sueur se change en grimaud de sang. Et à la fin il a dit na kumwisho akasema la coupe était pleine. Juu kikombe ilikuwa inajaa. Kikombe ilikuwa inajaa. Avec toute ma vie de désordre. Na maisha yangu yote ya kukosa utaratibu kutokuamini mule ndani. Na buchafu yote ndani. Juu Mungu yeye ni mtakatifu. Ndio. Mungu ni mtakatifu. C'était pas possible de l'approcher. Haikuwa inawezekana kumkaribia.
lakini il a été obéissant. Akakuwa mtiifu akasema Bwana. Si c'était possible. Ingeliwezekana. Mais toutefois. Lakini. C'est ta volonté se fasse. Mapenzi yako ifanyike. Il a accepté frère. Alikubali. Jusqu'à la mort. Paka kifo. Yesu alikufa. Alikufa uchi. Ndio. Quand nous voyons, wakati tunaona wanatia ka kitambala ni juu tu ya adabu, lakini Bwana wetu alikufaka uchi kwa ajili yao, alikubali de prendre le propre frère. Alikubali kubeba haya ndugu. Jésus n'était pas comme toi et moi. Yesu hakuwa sawa wewe na mimi. Alikuwa anajulikana Yerusalemu na miji yote fasi yote. Yesu alikuwa anamjua. Alikuwa anafanya miujiza. Na kulikuwa watu walikuwa wanamuita rabbi mwalimu. Lakini alikubali mbele ya mama yake. Mtoto wa zaidi ya miaka 30 akakufa. Uchi ni unyenyekevu ya namna gani? Unyenyekevu ya namna gani ndugu? Yesu alikubali ile hasa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Kwa nini? Tu vas refuser d'être obéissant. Wewe utakatala kuwa mtiifu. Kwa nini? Tu vas refuser de le suivre. Wewe utakataa kumfuata. Kwa nini wewe? Juu ya ule mtu mwenye alikupenda vile. On ne te connaissait même pas. Ile wakati walikuwa wakujua hata. Nous étions un peuple. Tulikuwa watu. Sans Dieu. Pasipo Mungu. Sans patriarche. Pasipo. Sans promesse. Babu pasipo ahadi pasipo. Sans espoir. Muji mtakatifu pasipo matumaini. Tulikuwa wapagani. Lakini Yesu Mungu. Par son amour. Kwa upendo wake. Sa miséricorde. Rehema yake. Il a envoyé son fils. Alitutumia mwana wake Yesu Kristo. Il s'est humilié. Alijinyenyekeza. Jusqu'à la mort de la croix. Mpaka mauti ya msalaba. C'est pourquoi ce jour-là. Ndio maana ile siku. C'était un jour de victoire. Ilikuwa ni siku ya ushindi. Oui. Ndio. Victoire sur mon péché. Ushindi juu ya dhambi. Victoire sur la mort. Ushindi juu ya mauti. Victoire sur ta maladie. Ushindi juu ya magonjwa yako. Ushindi. Frère. Ndugu. Le soleil a dit. Jua ikasema. Ce qui se passe aujourd'hui. Ninyi biko napitika leo hapa. Haiwezekani. Moi. Mie. Je ne peux plus éliminer. Siwezi tena kuangaa. Il y a des ténèbres. Kukakuwa giza. Les montagnes. Milima. La nature a dit no. Ika na maumbile ikasema hapana muumbaji mwenyewe. C'est comme ça. Iko hivi haiwezekani. Il y a des tremblements. Kukakuwa mitetemeko ya inchi. Miamba ikapasuka. Ndio. Et au temple. Na pale kuweka. On a vu les rideaux. Bakaona pazia. Mes frères. Ndugu. Si ça s'était déchiré. Kama ilipasukaka. Kutoka chini mpaka juu. Bangasema ni mwanadamu ndio alipasula. Ça commence. Lakini ilianziaka juu mpaka chini ikapasuka. Ikapasuliwa. Juu ya kusema njia imekuwa wazi. Sasa tunaweza kuingia. Ndio. Frère, ndugu, ça dépend seulement de ton cœur. Ha, inatokana tu na moyo wako. Kama kabisa uko mnyofu, Mungu anapenda watu wa nyofu. Kama uko mnyofu wa moyo, hata jioni ya leo, Mungu anaweza kutendea kitu fulani. Dieu peut agir. Ndio Mungu anaweza kutenda. Yule jana, leo na hata milele. C'est un jour de victoire. Ni siku ya ushindi. Mais lui-même il est descendu. Yeye mwenyewe alishuka. Jusqu'au séjour des morts. Mpaka kule mwa Satan. Akasema shetani. Il faut donner les clés. Leta funguo. La parole d'introduction. Neno ya kiingilio. Il a la clé de la mort. Iko na funguo ya mauti na ya hadeze. Oui. Dio. Nous a parlé ne crains point. Bali tuambia usiogope. Oui. Dio. Nous ne devons pas craindre. Hatupashwe ogopa. Il a dit donne. Alisema leta. Et il a pris les clés. Na akakamata. Et le troisième jour. Na siku ya tatu. Akatoka mukaburi. Ça c'est Dieu que nous prêchons. Ule ni Mungu mwenye tunahubiri. C'est le Dieu que nous prêchons. Jo Mungu mwenye tunahubiri. Ambaye kaburi yake iko wazi. Le troisième jour. Siku ya tatu. Il est ressuscité. Yeye aliyefufuka. Oui, il est parti. Dio akafufuka kaenda. Et quand il est parti. Na wakati alienda. Biblia inasema. Il y avait cette porte qui était éternelle. Ulikuwa ile mlango wa milele. Na akalalamika mlango wa milele. Il faut lever vos lèvres. Inafaa kuinua visingiti vyenu. Mais là ils ont dit. Na pale bakasema. C'est qui celui-là? Nani ule? Mais il a dit, akasema ni mfalme wa utukufu. Le puissant conquérant des combats. Ule mshindaji mkubwa wa vita. Ndio. Il a vaincu tous les combats. Alishinda vita zote ndugu.
Et il est entré avec tous les saints. Na akaingia pamoja na watakatifu wote. Na bale watakatifu wanatungoya. Ils nous attendent là-bas. Wanatungoya kule. C'est pourquoi. Jomana. Ndugu. Chaque mouvement. Kila geste que kila nous faisons. Tendo, kila tendo yetu nafanya tunapashwa kuhisi ya kwamba tuko na majukumu ndugu. Kuko bandugu benye wanatungojelea kule ndio. Lakini na wewe. Kama hauyamwamini Bwana. Inafaa kufanya haraka ndio. Parce que kwa sababu moment, kwa wakati wote moment, kwa kila wakati portes, milango inaweza fungwa et l'église épouse na kanisa bibi harusi anaweza kufikia ukamilifu wake Christ, na Yesu Kristo anaweza kurudia aizuru wakati oui. Gani ndio l'urgence est là l'urgence est là frère uharaka iko pale ndugu le message ujumbe. Ce message que nous prêchons, ujumbe ambao tunahubiri, c'est un message ni ujumbe qui est plein de grâce, ambao inajaa neema. Mais c'est un message urgent. Lakini ni ujumbe ya uharaka. Oui, ndio. Urgence est là. Uharaka iko pale. Non, parce que c'est arrivé que les gens commencent à s'habituer. Ya kwamba watu wanaanza kuzoea. Et ça devient comme de la blague. Na inakuwa sa vile mezaa, lakini hapana. Le message ici. Ujumbe hii. On va voir ça. Tutaona hii. Il faut qu'on évolue d'abord. Inafaa tusonge kwanza mbele. Donc Jésus, manake Yesu, s'est humilié comme ça. Alijinyenyekeza hivi. Il a montré l'obéissance. Na akaonesha utiifu. Dans la Bible. Katika Biblia. Voyons. Tunaona. Il y a aussi des exemples. Kuko mifano. Qui montre l'épouse. Enye naonesha bibi harusi. C'est l'exemple de Rebecca. Kwa mfano wa Rebecca. Qui a été. Ambaye. Qui a accepté. Ambaye alikubali. Ce jour-là, on l'a dit. Ile siku bakamwambia. Quand Eliezer était parti. Wakati Eliezer alikuwa pale. Eliezer a dit, Eliezer ne me tardez pas, parce que je dois rentrer plus vite. Musinika wisha juu nafani rudie mbio mbio. Et la famille a dit, na jamaa ikasema, appelons la fille elle-même. Tuite binti yeye mwenyewe. Elle va dire, ye peke aseme. On a dit Rebecca. Bakamuliza Rebecca. Est-ce que tu veux partir avec cette femme? Unapenda kwenda na huyu bwana? Rebecca a dit, Rebecca kasema, mie ndaenda. Eh oui, ndio. J'irai avec lui. Ndaenda naye. Frère, il a accepté de partir. Akakubali kwenda. Sans voir Isaac. Bila kuona Isaac. Oui. Ndio. Il a juste suivi Eliezer. Alifuata tu Eliezer. Ndugu. Nous devons suivre la conduite du Saint-Esprit. Tunapaswa kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Ça c'est l'exemple de l'épouse. Ile ni mfano wa bibi harusi. Et là, na il y a pale, une prophétie qui est sortie. Kuko unabii yenye katoka. Wakasema. Mais notre sœur. La dada basi dada yetu. Que ta postérité soit bénie. Uzao wako ubarikiwe. Que tu puisses avoir des milliers. Upate kuwa na watu maelfu na maelfu. Et que. Na. Même tes ennemis. Na hata maadui zako wasishindane mbele ya uzao wako. Mais ça c'était l'église. Ile ilikuwa ni kanisa la Yesu Kristo. Ambayo yeye pekee alisema. Je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Et même les portes de l'enfer. Hata milango ya kuzimu. Hazitalishinda. L'église a des promesses. Kanisa iko na maahadi. Nous sommes les enfants de la promesse. Sisi ni watoto wa ahadi. Et nous vivons dans ce monde. Na tunaishi mwa hii dunia. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Tuko katika mapenzi ya Mungu. Nous sommes dans la vraie orientation. Tuko katika mwelekeo mzuri kabisa. Na tunangoja kurudi hapa upesi ya Bwana Yesu Kristo. Oui. Ndio. Il y a Rebecca. Rebecca alikuwa pale. Et ça c'est Genèse 24:58. Na ile ni Mwanzo 24 mstari ya 58. Vile vile kulikuwa Ruth. Ce jour-là. Ile siku. Avec sa belle-mère. Na mama mkwe wake. Ruth a dit. Ruth akasema. Écoute. Sikiliza. Il ne faut pas me demander de rentrer. Usinikaze kurudia. Moi. Mie, je vais partir avec toi. Ndaenda na wewe. Oui. Ndio. Utira. Kwenye utaenda. Moi, j'irai avec na mimi ndaenda na wewe. Ça. Mungu anapenda ka vile. Où tu demeureras. Kwenye utaka. Mais moi je demeurerai na mimi taka toi. Pale na wewe. Ton peuple. Watu wako. Il sera le mien. Watakuwa watu wako. Ton Dieu. Mungu wako. Sera mon Dieu. Atakuwa Mungu wangu. Et où tu mourras. Na kwenye utakufia. Na mimi nitakufiaka pale. Dieu des gens sérieux. Mungu anapenda watu wanyofu. Yeye Mungu anapenda watu wanyofu. Il aime des gens sérieux. Anapenda watu wakamata vitu kwa makini. Oui. Voilà. Si nous sentons la responsabilité que nous kama avons. Tunahisi jukumu yenye tuko nayo. En ce moment. Mwa hii wakati. Dieu compte sur nous. Mungu anatuangalilia hapo. Ndugu. On doit être obéissant. Tunapaswa kuwa watiifu. Ndio. Oui. Même dans les moindres détails. Hata mambo madogo madogo ndugu. Kakarita disa. Wakati Ruth alisema vile. Mungu akaona hili. Je ne peux pas me laisser. Je vais agir. Yesu mwache inafaa nitende.
Et quand elle était partie dans ce champ-là, na wakati alienda mwa ile shamba, et quand Boaz est venu, wakati Boaz alikuja, ces jeunes filles ici, ule binti ule, et ces jeunes filles ici, ule binti ni nani, il dit mais apparemment c'est une Moabite, kasema inaonekana sasa vile ni Moabu, na watumishi wakasema, depuis qu'elle est arrivée, tokea alifika, elle ne cesse de travailler, iko tu natumika, frère. Nous devons travailler. Tunapashwa tumika. Juu ya wokovu wetu. Oui. Ndio. Non, les gens ne veulent plus travailler. Pas tous les jours, papendi, on ne veut plus prier. Hatupendi on ne veut plus vivre la parole. Hatu papendi kuishi neno la Mungu nini nini. Ça c'est pas le message. Il aiko ujumbe. Oui. Ndio. Dans ce message. Mwa hii ujumbe. Il y a la vraie foi. Muko imani ya dans kweli. Dans ce message. Mwa hii ujumbe. Il y a la vraie obéissance. Muko utiifu ya kweli. Mwa hii ujumbe. Muko Roho Mtakatifu. Dans ce message. Mwa hii ujumbe. Il y a des miracles. Muko miujiza. Mais ce sont des vrais miracles. Lakini ni miujiza ya kweli. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous. Kwa sababu sisi kwanza tunamtafuta yeye kwanza, yeye mwenye anafanyaga miujiza aingie ndani mwangu kwanza. Oui. Ndio. Et Dieu aime des gens comme ça. Na Mungu anapenda watu hivyo. Chaque qui prend des décisions. Watu wenye wanakamata makusudio. Sasa wale watu biko wapi leo? Biko wapi? Oui. Dans la ville de Goma, dans l'assemblée de Goma, mkusanyiko ya Temka, wale watu biko wapi? Oui, vous savez, c'est le troupe de vainqueurs, non? Nous, les épouses, si c'est le troupe de vainqueurs. Ce sont les premiers nés. Frère, les nés ont des responsabilités. Muzaliwa wa kwanza anakuwa na jukumu mjamaa. Muzaliwa wa kwanza anakuwa na jukumu mjamaa. Nous sommes les premiers nés. Sisi ni wazaliwa wa kwanza. Na kundi ya washindaji. La victoire. Ushindi. C'est pas un don. Ça demande des caractères. Ushindi, oui. Haiko zawadi. Il faut des caractères. Inalomba kukua na tabia juu ya hili. Il faut des caractères. Inafaa kujua kushinda, inafaa kukua na tabia za mungu. L'épouse doit vaincre le monde. Bibi ya Rusi anapaswa kushinda dunia na kwenda. Ndio. Vaincre ce monde. Kushinda hii dunia na kwenda. Ndio. Nous allons partir bientôt. Tutaenda hapa upesi. Washindaji wataenda. Mais oui. Ndio. Oui, les vainqueurs. Washindaji wataenda. Pour nous. Kwetu sisi. Les promesses de Dieu. Ahadi za Mungu oui, ni ndio na amina. Alisema mioyo yenu isifadhaike, nitakuja na nitawatwaa. Ile ni hapa karibuni. Ile siku Uria alikuja. On a fait venir de combat. Baka mutosha mufita. Ilikuwa kwa wakati wa mfalme Daudi. Baka mwambia Uria, il faut te laver. Inafa unawe. Il faut te mettre du parfum. Utie na malashi. Il faut prendre des bons habits. Uvae manguo za mzuri. Na urudie kwako. Comme ça tu vas te reposer. Asa utapumzika. Tu vas rester à côté de sa femme. Utabakia pembeni ya mke wako. Uria dit. Uria kasema. Mais moi. Mie. Comment? Ayetu. Puis-je? Minaeza. Me laver. Nawa. Me parfumer. Nitie malashi. Porter des bons habits. Nivae mavazi ya mzuri. Rentrer dans la maison. Niingie munyumba. Coucher avec ma femme. Nilale na mke wangu. Alors que Israël. Na japo Israël. Elle a rasé quand. Iko mu. En train de combattre. Iko mkambi mvita hapana. Hapana mimi nakatala. Frère. Ndugu. En ce moment. Moi iwa. Les enfants de Dieu. Watoto wa Mungu. Biko wanatafuta Roho Mtakatifu. Ils sont en train de dire. Biko wanasema. Bwana. Oh, le monde. Dunia. Fatigue. Inatuchokesha. Dunia. Kuja. Je vois que tu es comme un zambi. C'est ça ton temps où toi tu es dans le péché. Oui. Toi. Ou comme Boucharati. Tu es dans l'adultère. Et là. Tu pratiques parce que nous ne pratiquons pas les péchés. Tu sais, non, maisha ye, hatuna maisha ya zambi hapana. Hatuna maisha ya zambi. Kama kakafika tu. Si ça arrive par accident, directement je me lève et je dis Satan. Là où tu m'as vaincu, mais maintenant là je refuse. Mais toi, à ce moment ici, wakati, tu es dans la débauche. Oui. Tu bois l'alcool. Toi, oui, tu es en train de divorcer. Oui. Toi, tu cherches une deuxième femme. Moi, non, ça, non. À non, tu n'es pas vainqueur. Non. Uria dit. Uria kasema. Je ne vais pas rentrer là-bas. Ni sitarudia. Pendant qu'Israël est là-bas. Wakati Israël iko muvita. Non, moi je ne vais pas. Hapana mimi sitaenda. Dieu aime ça. Mungu anapenda. Mungu anapenda watu ya vile. Na ile kusudia. Le même. Mungu. Le Dieu des prophètes. Wa manabii. Le Dieu des apôtres. Mungu wa mitume. Jo Mungu mwetuko tunahubiri. Qui a dit que ce message? Mwenye alisema kama hiyo. Mais ça jamais une dénomination. Haitakuwa kazehebu. Atatenda ndugu. Ndio.
Dieu aime des gens comme ça, non? Mungu anapenda watu ya vile. Les gens déterminés. Batu benye biko na kusudio kabisa. Qui veut prendre Dieu au mot. Benye baneza kukamatia Mungu maneno yake ile ni kundi ya washindaji. Pour être l'épouse du grand roi. Juu ya kukua bibi harusi wa mfalme mkubwa inafaa kukua na tabia juu ya ile. Wewe ungali mubiachini. Toi tu es encore dans les choses trop basses. Mais en bia buficho. Dans les choses en cachette. Frère. Du temps du roi Saul. Kwa wakati wa mfalme Saulo, Dieu a parlé, il était en train de partir. Soit wakati kunaenda. Le temps du roi Saul. Kwa wakati wa mfalme Saulo, Dieu parle son prophète Samuel. Mungu kupitia nabii wake Samuel. Il dit à Samuel, Samuel. Anambia Samuel. Lève-toi. Simama. Va dire à Saul. Wende ambia Saulo. Tu lui dis que umwambie ya kwamba. Je me souviens du roi. Mina kumbuka mfalme moyo. Il n'avait pas agi correctement. Mwenye hakutendaka vizuri mbele ya watu wangu. Wakati walikuwa natoka Misri. Tu vas te lever. Utasimama. Tu vas partir. Utaenda. Tu vas lui dire. Utamwambia. Il va les combattre. Naye atapigana naye. Je les ai mis. Nimewaweka. Dans sa main. Katika mikono yake. Il va les vaincre. Atawashinda. Qu'il puisse vouer tout à l'interdit. A teketeze kila kitu. Le message était clair. Ujumbe ilikuwa wazi. Si Saulo, kama Saulo n'avait pas bien compris, angeelewaka mzuri, il pouvait demander à Samuel. Angeulizaka Samuel. Samuel pouvait bien l'expliquer. Samuel angemfasiriaka mzuri. Le son était clair. Sauti ilikuwa wazi kabisa. Sauti ya baragumu ilikuwa wazi. Wanamwambia wende kule. Uteketeze kila kitu. Mais Saulo est parti là-bas. Saulo akaenda kule. Avec ses généraux. Na wajemadari wake. Il combattait dans la victoire. Walikuwa napigana katika ushindi. Nous combattons dans la victoire. Tunapigana katika ushindi. Nous combattons. Tunapigana. Avec un ennemi vainqué. Na adui mwenye alishaka shindwa. Ndio. Oui. La victoire. Ushindi. Victoire sur toutes choses. Ushindi juu ya kila kitu. Oui. Victoire sur le péché. Ushindi juu ya zambi. Victoire sur la maladie. Ushindi juu ya magonjwa ndugu. Saulo est parti avec des généraux là. Saulo akaenda na majemadari akasema. Ça c'est son plan. Ni mpango wake. Anaweka mo akili yake. Ili introduit son intelligence. C'est qui aujourd'hui? Ndugu njo bi leo. Ne mettez pas. Usitie. Laisse ça comme ça. Acha bio vile. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Laisse ça comme ça. Acha yo gisi iko tafadhali. Usiongeze. Wakati unaichanga itaua. Nasema no. Idi no. C'est que Samuel a dit. Kenye Samuel alisema, mimi na waza. C'est une bonne idée. Ni wazo ya mzuri mbele ya Mungu. Si je laisse ces vaches ici. Kama mimi naacha hii mangombe za kunona. Ces brebis. Kama mimi naacha hizi makondoro. Il est sans même le roi Gog. Aka acha hata na mfalme Gog. Ensuite, il s'est présenté devant Samuel. Kisha akasimama mbele ya Samuel. Oh mtu wa Mungu, ubarikiwe. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Leo ndio biko inapitika. Oui. Tu vas là-bas en cachette. Unaenda mukisiri, unafanya vyako, unafanya vitu kule. Kisha sasa unafika hapa, unasema haleluya, haleluya. Sasa unamchungaji, jambo mchungaji, jambo mchungaji. Hapa. Hauwezi kutembea vile. Tu ne verras rien de la part de Dieu. Ne peut pas venir. La colombe. Nguzo ya moto. La colombe, frère. Jiwa. Oui. N'a pas de bile. Haina kale ile kitu ya mchungu mule ndani. Pale beko vya buchafu buchafu. Ele. La colombe n'a pas de bile. Njiwa haina ile kitu ya mchungu ya kujui ikule vitu ya kuoza. Voilà. Ça peut pas venir. Haiwezi kukuja. Ili, on dit dit. Mais toi Mungu, ubarikiwe. Je suis parti là-bas. Nilienda kule, nimetimiza yote. Samuel. Samuel. L'esprit de Dieu en lui. Roho wa Mungu ndani mwake. Anasema. J'entends. De bêlement de bœuf. Niko nasikia ngombe ziko zinalia kule. Et de mugissement de brebis. Na kondoo ziko zinalia kule. Mais ça vient d'où? Binatoka wapi? Les fruits de la désobéissance. Matunda ya kutokutii. Oui. Ndio. Même ce soir. Ata jioni ya leo. Dieu entend encore. Mungu angali nasikia ile kulia ya ngombe. De mugissement. Ile kulia de brebis. Ya kondoo. Les fruits de ta désobéissance. Matunda ya kutokutii yako. Dieu les entend encore. Mungu angali naisikia. Et Samuel dit. Na Samuel anasema. Parce que tu as désobéi. Je te laisse. Aukutii Mungu anakuacha. Il avait franchi la ligne. Alikuwa amevuka mpaka. Si tu n'écoutes pas. Ata nawe kama hausikii. Ah. Cet esprit qui te parle. Ile roho unasema na wewe fanya angalisho unaweza vuka mpaka. Fanya angalisho. On ne se moque pas de Dieu. Mungu haziakiwi.
Et quand Dieu l'a quitté, frère, na wakati Mungu alimwacha ndugu Saulo mwenye alikuwa na shinda siku mwaka nda mvita nguvu, frère. Le combat à ferrage, le combat à ferrage, il est atari. Et Saulo est parti. Na Saulo akaenda. Lui qui avait dit non. Ye mwenye. Dans ma royauté. Alisema kama ufalme yangu. Des gens qui évoquent les morts. Sitaki wanaguzi. Imaginez lui roi d'Israël. Fikirie ye mfalme wa Israel. Na gisi mu Israel mulikuwa nabii. Akaenda kwa ule mwanamke ule mlaguzi. Kuishi bila Mungu ndugu ni maisha ya hatari ndugu. Mimi nasema mara mingi. Mwa hii dunia kila hatua, kila dakika, kila tendo unahitaji Mungu. Ni nguvu ndugu. Wakati Mungu alimwacha ilikuwa hatari juu ya Sauli. Ile tombe mbele ya ule mwanamke wa Andori. Pour qu'il puisse invoquer un mort pour lui. Et Samuel est venu. Na Samuel yakakuja. Ce jour-là on pouvait. Il est si. À ce temps-là on pouvait. Moi ile wakati waliweza fanya vile Samuel yakakuja. Moi j'avais déjà dit. Nisha kuambia. Neno la Mungu alibadilikake ndio. Il ne va pas. Même si ça passe, même si les jours passent, ça ne va pas pourrir. Ndio. Samuel. Samuel akiwa amekufa karudilia bile bile. Akamwambia mimi sitabadilika. Mungu alisha kuacha na leo leo utakufa. Et ce jour-là il est parti à la guerre. Na ile siku akaenda vita bilikuwa hatari kabisa. Sasa Yonathani hata mwana wake na akakufa na Saulo mwenyewe akiwa mfalme na akauawa. Et David. Na Daudi wakati alisikia akaimba. Dans son cantique final. Katika nyimbo yake ya kilio. Il a dit. Akaimba. Pourquoi les héros sont tombés? Kwa nini mashujaa wameanguka? Ndugu. Pourquoi les héros sont tombés? Kwa nini mashujaa wameanguka? Ndio. Mais pourquoi? Kwa nini? Pourquoi aujourd'hui, frère? Kwa nini leo? Avec cette parole que nous avons. Pamoja na hii neno yenye tuko nayo, hii ujumbe. Confirmé par Dieu lui-même. Yenye imethibitishwa na Mungu mwenyewe na maalama. On a reçu un grand prophète. Tulipokea nabii mkubwa kwa hii kizazi. Mais pourquoi les héros sont en train de tomber? Kwa nini washujaa wako wanaanguka? Tunapaswa kuwa mashujaa. Lakini kwa nini tunaanguka? Pourquoi les héros sont tombés? Kwa nini mashujaa wanaanguka? Daudi akasema. Il ne faut même pas dire ça aux filles des Philistins. Musiviambie hata mabinti wa Wafilistini kwa sababu watatuchekelea. Lakini hapa siviko wanasema, siviko wanasema. Hapa biko wanasema, "Hey ndugu." Mais nous n'asema que c'est ce que nous avons toujours dit. La parole de Dieu est difficile. Il est tombé là. Il est déjà tombé. David a dit. Daudi alisema. Il ne faut même pas parler ça. Musiviseme hata. Qui va se moquer? Tu vas t'atuchekelea. Les héros vont tomber. Tu as nini watruja waliamuka ndugu. Avec cette parole. Na hii neno. Non frère. Hapana. On est des héros. Tuko watruja. Watruja. Kushinda dunia. Na kwenda. Oui frère. Ndio ndugu. On va avancer. Tutasonga mbele. Le temps est déjà parti. Wakati imeenda kabisa. Sasa. C'est le peuple. C'est les enfants de la promesse. Watoto wa ahadi. Ils reçoivent la parole de la promesse. Wanapokea neno la ahadi. Ils croient à la parole de la promesse. Wanaamini neno la ahadi. Ils obéissent à la parole de la promesse. Wanatii neno la ahadi. Ils reçoivent l'esprit de la promesse. Na wanapokea roho wa ahadi. Amen. Amina. On va lire Ephésiens. Tutasoma wa Efeso. Ephésiens 1 vite. Wa Efeso sura moja upesi. On va aller vite, on va aller vite. Tutenda mbio mbio. Ephésiens. Wa Efeso sura moja. Verset 13. Mustari ya 13. Ah lui vous aussi. Dani mwake après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Ah lui vous avez cru. Dani yake mumekwisha kuamini. Et vous avez été scellé. Na mulitiwa muhuri. Du Saint-Esprit. Wa Roho Mtakatifu. Qui avait été promis. Aliye ahidiwa. Amen. Amina. Oui frère. Ndio ndugu. On va avancer un peu. Tutasonga. Les quelques minutes qui me restent. Mwai dakika kidogo nabakia naye. Frère. Ndugu. Le Nouveau Testament. Agano jipya. Ça a commencé. Il y a avec l'accomplissement. Na utimilifu. Des centaines de prophéties. Ya maunabi. Des centaines de promesses. Ya mamia zaidi ya 100 ya maunabi na maahadi. Na ndio vile agano jipya tena itaisha. Oui. Ndio. Dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Il y a eu des promesses qui se sont accomplies. Ahadi zilitimilika. Mais c'est la même chose que le Nouveau Testament doit finir aussi. Na ni vile vile njoo agano jipya inapaswa kumalizika vile. Et c'est ce qu'on lit. Na njoo kenye tunasoma. Qu'on va lire dans Jean 14. Tutasoma katika Yohana 14. Ça c'est la
la promesse principale. Injo ahadi ya msingi. Oui. Ndio. On va lire ça. Tutaisoma. Frère, ndugu, en ce moment, mwai wakati, nous faisons notre plan. Tuko tunafanya mpango wetu. Notre agissement. Matendo yetu. Nous le faisons en fonction de ça. Tunaifanya kulingana na hii. En fonction du retour imminent de Jésus. Kulingana na kurudi hapa upesi ya Yesu Kristo. C'est une priorité absolue. Ayo ndio kitu ya kwanza kabisa. Pour tout croyant. Kwa kila mwana. C'est le retour de Christ. Ni kurudi kwa Kristo. Jean, que votre cœur ne se trouble point. Usifadhaike mioyoni mwenu. Croyez en Dieu. Munaamini. Croyez en moi. Niamini nami vile vile. Il y a plaisir de mer kuna dans la maison de mon père. Katika nyumba ya baba si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Na et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé na une place, na je reviendrai et je vous prendrai na pamoja nami. Avec moi, pamoja nami. Avec là où je suis, ili mahali nilipo. Vous y soyez aussi. Mwe pale vile vile. Ça! C'est le plus grand événement qui va arriver à la fin du temps de la grâce. Oui, c'est pourquoi, frère, il ne s'agit pas seulement de ça. Il y a d'autres promesses qui vont s'accomplir avant ça. Oui, Dieu. Oui, et ça, ça nous donne la force. Na hii natupa nguvu. Parce que Dieu a dit, kwa sababu et il a Mungu fait. Et parmi ses promesses, c'est ça Malaki 4, ahadi, njo muko Malaki ine, Dieu a dit, tano, avant son retour, il va envoyer un prophète. Atatuma nabii. Est-ce qu'on n'a pas reçu le prophète? Je hatukupokea nabii. Le prophète est venu. Nabii alikuja. Il a apporté la parole. Alileta neno. Et Dieu lui-même a confirmé cela. Na Mungu mwenyewe akathibitisha ile. Il y avait des gens. Kulikuwa watu. Il y avait des témoins. Kulikuwa bashuhuda. Et les gens ont entendu. Na batu bakasikia sauti ikasema. Dans notre âge. Mwa hii kizazi yetu. Mungu yeye peke alisema. Pour confirmer. Juu ya kuthibitisha. Et il a dit na de même que j'ai été envoyé kama vile Yohana mais toi aussi na we vile tu vile, as été envoyé umetumwa, avec un message na ujumbe. Est-ce qu'on n'a pas le message? Je hatuna ujumbe. La promesse accomplie. Ahadi est-ce qu'on n'a pas le message? Je hatuna ujumbe. Le message entre nos mains. Ujumbe mais qu'est-ce que nous faisons avec ce message? Tuko nafanya nini na ile ujumbe? Qu'est-ce que nous faisons? Tuko nafanya nini na ujumbe? Quand il est monté sur la montagne. Wakati Yesu alipanda kwa Yerusalemu, alikasema Yerusalemu, akalia juu ya Yerusalemu, akasema nilitaka kukusanya watoto wako kama vile kuku anavyokusanya vifaranga vyake lakini Yerusalemu. C'est la même chose aujourd'hui. Na ndio vile leo. Jeremia le dit. Na katika Yeremia inasema kwa nini? Pourquoi? Kwa nini? La plaie de la fille de mon père. Kidonda ya binti wa mwa watu wangu haipone na japo kuko dawa. Mais le médicament est là. Dawa iko. Il a déjà donné le médicament. Mungu alisha pana dawa. Il a déjà donné la solution au péché. Mungu alisha leta suluhisho juu ya dhambi. Yesu alikufa. Dieu alisha donné sa parole. Alisha toa neno lake. Mais oui. Ndio. Mais qu'est-ce qui nous manque? Asa tunakosa nini? Et le message est entre nos mains. Ujumbe kwa mikono yetu. Oui. Ndio. Et surtout les jeunes. Na zaidi sana wa vijana. Jo ajabu. Wa vijana ils sont terribles. Bale banazaliwa au message. Ceux qui sont nés dans le école message. De dimanche. Il est dans l'école de dimanche. Pas qu'au message. Il est toujours dans le message. Jo baigné oui. Ce sont eux qui sont terribles les grands impossibles. Ba shindikana frère. Les grands shindikana. Ouais. Quand on les dit ils sont habitués. Le prophète disait ceci. Le prophète disait ceci. Il y avait un homme. Nasema, kulikuwa mutu, c'était un touriste. Alikuwa touriste. Il voulait profiter de la mer. Alikuwa nataka faidike kuona bahari. La mer c'était un endroit. Juu yeye beau, bahari ni fasi ya mzuri. Il peut se reposer sur le sable. Anaweza kupumzika pale kwenye mchanga. Anaangalia uzuri wa maumbile. Mais en allant en route, lakini mkuenda mji, il s'est croisé avec un vieux pêcheur. Akakutanana na mvuvi wa zamani kabisa. Le prophète lui-même l'appelle le vieux loup de mer. Nabii mwenyewe anamuita kabisa hiyo mbwa mwitu wa zamani wa bahari. Asa ule mvuvi akamuuliza unaenda wapi? Je pars à la mer me reposer. Asa mimi naenda pumzika kule kwa bahari. Ah bon? Akamwambia bon. Est-ce qu'à la mer il y a quelque chose qui peut être intéressant. Je kule kubari kuko kitu kabisa kinaweza kuvutia. Nasema mimi niko kule kunapita miaka 40 sio nake hata kitu kenye ko tofauti. Voilà, les vieux loups de mer. Ule mzee ule mvuvi. Ils ont grandi dans les messages. Même quand on prêche comme ba mekomala mujumbe hata uhubiri ya eh hapo bamezoea. Bamezoea.
faut faire très attention. Inafaa kufanya angalisho. Kama unafika kwa ile kiwango. Paul dit, Paul anasema, déjà, ya kwamba kuna watu dans la conscience ambao zamiri yao ilisha zama. Moi je sais pas ton état ce soir. Mimi sijue hali yako jioni ya leo. Des gens qui peuvent répondre. Les gens qui peuvent dire et j'abandonne même votre église. Et ça c'est devant le pasteur. Et il dit ça devant le pasteur. Na kanisa numi naacha. Ça c'est vainqueur. Ule ni mushindaji kweli. L'église kanisa qui est l'appui ambao ni tegemeo la vérité. Nguzo ya kweli. Donc ici manake hapa nous appuyons. Kwenye tunategemeza kweli tu. Et toi tu te permets de kisha wewe unajiruhusu kusema vile. Le vieux loup de mer. Ule mbwa mwitu wa zamani wa bahari. C'est pourquoi frère. Njoma na ndugu. Avant le retour de Christ, il y a des promesses qui doivent se réaliser. Et ces promesses, c'est le message. C'est le message c'est que nous avons. Et ce message, ça inclut quoi? C'est un appel à sortir. C'est l'Apocalypse 18. Verset 4. Sortez! Sortez des milliers de mon peuple. Oui, frère. L'appel est urgent. Il faut sortir. Ya waraka, inafaa kutoka. Sortir dans les religions. Kutoka mumadini. Sortir dans les coutumes. Kutoka mumadesturi. Sortir dans nos habitudes. Kutoka mumatabia zetu. Sortir dans nos comportements. Kutoka munali ya kujikamata inafaa kutoka. Ça ne suffit pas de sortir. Haitoshe tu kutoka. Nous devons nous séparer. Tunapashwa jitenga. Et nous devons nous purifier. Na tunapashwa kujisafisha. Ça c'est 2 Corinthiens 6. Ile ni wa Korinto wa 2 sura 6 mstari wa 17 na 18. 2 Corinthiens 7 à 1. Wa Korinto wa 2 sura 7 mstari wa kwanza Yohana wa kwanza. Nous devons nous séparer. Tunapashwa jitenga. Et nous purifier. Na kujisafisha. Et c'est cette parole qui nous purifie. Na ni hii neno ndio inatusafisha. Frère, la sanctification. Ndugu utakaso. Ça c'est notre part à nous. Njo sehemu yetu sisi. Sanctification veut dire quoi? Utakaso ni kusema nini? Tes œuvres. Matendo yako. Tes pensées. Mawazo yako. Tes paroles. Maneno yako. Doivent rester. Yanapaswa. Dans les limites de la parole. Bakia mipaka ya neno. C'est ça. Ile njo yeye. Tu penses ça? Na waza njo yeye. Les œuvres, matendo yangu, matendo yangu, oh Bwana, na mawazo yangu, na maneno yangu, yanapaswa bakia mumipaka ya neno. Siku moja, Mungu aliambia nabii wake, uambie, ya kwamba mawazo yao inasema sana, mawazo yao inasema sana kuliko maneno yao. Mawazo, mawazo yetu. Ndugu. Toute la journée tu penses que de mal. Muchana yote uko nawaza tu mabaya, unasema tu maneno mabaya. Wakati utatembelewa na Mungu wakati gani? Mungu anatendaka na watu ambao wanakamata neno lake kwa makini. Ça ne suffit pas. Na haitoshe. Après l'appel à sortir. Kisha mwito kwa kutoka. Kisha kujitenga na na kusafishwa. Il faut une restauration. Inafaa kurudishwa. Faut être restauré. Inafaa kurudishwa. À la foi apostolique. Kwa ile imani ya kimitume. Njoo kenye Mungu alisema. Ni kusema Roho Mtakatifu. Il sera là-bas retardé. Anabakilia kule. Mpaka wakati wa kurudisha kila kitu. Tunapashwa rudishwa. La même semence. Ile ile mbegu. Enye ilipanda. Siku ya Pentekoste. Kwa mwanzo ya kanisa, wakati kanisa lianzishwa. Sera semblable à la fin. Itafanana vile vile kumwisho. Ndio. Même les positions de la fin. Hata bibi harusi hapa kumwisho. Doit être semblable. Anapashwa fanana na ule wa pale kumwanzo. La vision de l'épouse. Ile ono ya bibi harusi. Le prophète. Nabii. Dieu lui a fait voir l'épouse. Mungu alimuonesha bibi harusi. Aliona ilikuwa mwanamke wakati mwisho. Ilikuwa mwanamke. Ule mwanamke alikuwa anapita, alikuwa anavala mzuri. Alikuwa anatembea kabisa na Mungu atua za muziki. Akamwambia, "Huu ni bibi harusi wa mwanamke." Akasema utukufu kwa Mungu. Alikuwa anavala mzuri na alikuwa mrembo. Alikuwa anatembea mzuri katika hatua ya mzuri. Nabii akaona mwanamke anavala vibaya, iko na tembe na iko na tunda, anavaa mbaya. Nabii akalia. Nabii akalia. Akasema Bwana, kama injo matunda yote yenye tumefanya kukuonesha bibi harusi wa hivi, yani hatari kabisa. Lakini nyuma wakamwambia hapana,
ngoya utaona bibi harusi na kisha kaona mwingine mwanamke akakuja alikuwa na vala mzuri sana alikuwa anatembea mwatua ya muziki kabisa katua ya neno la Mungu atua ya neno la Mungu il a dit na ça c'est l'épouse unjo bibi harusi donc l'épouse manake bibi harusi c'est le mariage wa hiki zasi ya mwisho atafanana na bibi harusi wa pale kumwanzo. Nous devons marcher. Tunapashwa tembea. La parole. Katika atua ya neno. Mais regardez cette femme. Lakini muangalie yule mwanamke. Qui montre l'église aujourd'hui. Mwenye anaonesha kanisa leo. L'esprit dont la couleur est pâle. Pâle, ce n'est ni blanc ni noir. Ni rangi ya kimajifu. La couleur de confusion. Il y a des confusions partout dans le monde. Mvurugano fasi yote. Aller à l'église, ils ne veulent pas laisser. Kwenda kanisa. Vivre la vie chrétienne, ils ne veulent pas. Na kuishi maisha ya Kikristo hawataki. Frère. Ndugu. Le temps est parti. Wakati ça c'est le dernier appel. Ni mwito wa mwisho. Dernier appel. Mwito wa mwisho. Maintenant, sasa. Celui qui doit entrer, mwenye anapaswa ingia ni sasa. Il y a plus de temps. Hakuna tena wakati. Plus d'espoir. Hakuna tena matumaini. Je vais vous dire une chose. Nitawaambia kitu kimoja. Regardez seulement par notre pays. Muangalie tu mwinji yetu. Quand tu commences à lire tous les discours, ça on n'a pas honte de le dire. Wakati on amène devant président. Hata wanaleta mbele ya rais na sasa. Amène devant président. Hata wanaleta mbele ya rais Tshisekedi ndasema. Si tu regardes tous les bons discours. Ukiangalia hotuba zote za mzuri zenyewe baisha baisha sasa. Bana idea ka vitu vizuri. Ils ont des bonnes intentions. Biko na mania za mzuri. Dio, ils ont déjà promis beaucoup de choses. Balisha idea vitu vya mingi. Le président peut dire aujourd'hui. Je rais anaweza sema leo kama nini njoo anaweza sema leo yenye haya semaka tena. Kama nakuja hapa. Il va recevoir beaucoup de délégations. Kutakuwa watu mingi watenda muona au rais. Tunapenda utengeneze abattoire. Atasema mtu taona. Office de route atasema. President tunapenda tupatie namuna kutengeneza barabara ya Masisi. Atasema ndio ndio. Utaona utaona. Biko na mania za mzuri lakini. Il ne peut pas les réaliser. Hawawezi kuzitimiza. Il y a plus de promesses à faire. Hakuna tena ahadi za kufanya. Il y a des chaos partout. Mahafa maharibifu mekua fasi yote. Kwa kila nswa kipe prendre le pouvoir aujourd'hui. Aizuru ni nani unaweza kamata mamlaka leo. Hawezi kutupatia salama. Kwa nini? Kwa sababu dunia. Le péché. Zambi. Pese sirel. Inakuwa mzito juu ya dunia. Na haiwezi tena kusimama. Siku za mzuri zimepita. Tumaini yetu moja ni kurudi kwa Yesu Kristo. Oui, Dieu. Amen. Amina. C'est seulement Jésus ni Yesu qui va nous donner la paix. Tu vas t'atupatia salama. Mais j'ai souvent dit, nasema qui va nous donner la paix aux animaux? Nani oui, parce qu'ils attendent aussi la paix. Tuna la Bible dit, salama. C'est tout de la vie qui soupire. Qui va nous donner la manifestation? Qui va nous donner la paix aux pastors? Nani anaweza patia samaki salama? Qui va donner la paix aux arbres? Nani anaweza patia miti salama? Nani? Qui peut? Nani? Tout l'investissement que les gens ont fait. Mag. Oui. Tout l'investissement dans ce monde. A qui basote se nyebatu walifanya mwa hii dunia. C'est seulement apprendre comment tuer les gens. Ni kujifunza tu namna gani bataua watu. Le budget de l'armée des États-Unis. Muangalie. Budget ya jeshi ya Marekani. Ni pesa mingi juto ya kujifunza kisa kuua watu. Oui. Ndio. Mais ils ne peuvent pas donner la paix. Lakini hawezi kupana la salama. La paix c'est seulement lui. Salama ni yeye peke yake. Le roi de paix. Mfalme wa salama. Qui peut donner la paix? Anaweza kupana salama. Et ça c'est dans le règne de mille ans. Na ile ni katika utawala wa miaka 1000. Na ile ni wakati wa pumziko. Dernier appel. Mwito wa mwisho. Nani wa Yesu? Ni nani wa Yesu? À Jésus. Léo à la mouke. Aujourd'hui qu'il se lève. Ma promesse ya Mungu. Et qu'il cherche les promesses de Dieu. Nani wa Yesu? Qui appartient à Jésus? Que qui sent que l'urgence est là? Pour nous. Pour nous, les promesses de Dieu, c'est oui, amen. Amen. Il a dit qu'il vient. Alisema il va venir. Nakuja, nous croyons. Un beau jour. Si kumoja, moi, je ne sais pas. Si, yue, si ça sera un matin. Kama itakuwa ni asubuhi, moi, je ne sais pas. Nisijue. Si ça sera la nuit. Kama itakuwa ni usiku, moi, je ne sais pas. Nisijue. Si ça sera un soir. Kama itakuwa ni magharibi, oh, l'enlèvement aura lieu. Kunyakuliwa itafanyika. Oh, les enfants de Dieu partiront. Watoto wa Mungu wataenda. Ceux qui auront la foi véritable. Benye batakuwa na imani ya kweli. Oh, les enfants de la promesse. Batoto ya ahadi. Benye banati. C'est l'esprit de la promesse. Benye biko na roho ya ahadi. Bataenda.
Paul dit, Paolo anasema, même si cette tente, hata kama hii hema inaharibika, hakuna shida. Tuko na ingine yenye haitaharibika ya utukufu. Ndio. Nous allons partir. Tutaenda. Dans Jérusalem céleste. Katika Yerusalemu ya mbinguni. Tutatembea. Katika barabara zinazotiwa dhahabu. Mwa ile mji ambao Yesu Kristo mwenyewe ndio nuru. La. Kule. Y a pas de voleurs. Hakuna babuizi kule. Y a pas la mort. Hakuna kifo kule. Y a pas de péché. Hakuna dhambi. Nous serons à côté de lui. Tutakuwa pembeni yake kule. Lui même. Il est la lumière. Ni ya ile mji. On va contempler. Tutafurahia. Qui sont ici même. Frère, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Toute la nature soupire. Maumbile yote na utulivu. La Fatima, frère. Ni uchungu wa uzazi ndugu. Le départ approche. Kwenda inakaribia. Ni hapa karibia. Dunia yenyewe. Le monde lui-même. Quand nous voyons comment que les gens se multiplient. Ah, wakati yangu inaenda kabisa ndugu. Ah, en 1900. Mwaka 1900 wakaaji wa ulimwengu walikuwa miliardi moja karibu. Lakini mukarni moja tu mwaka 2017 batu bakatoka kwa ile miliardi moja bakakuwa ku miliardi saba na nusu. Ne voyez-vous pas que ça c'est l'accomplissement de l'écriture? La Bible dit, Biblia nasema mwanzo wakati watu walizidika. Et ce qui arrive au temps de Noa, qui est arrivé wakati ya Noa, kitakuwa vile vile. Oui. Et Dio. On dit, na en 2050, mwaka 2050, tutafikia batu miliardi kenda. Quand les gens se multiplient ainsi, le péché aussi se multiplie. Ce qui s'est fait sur la terre aujourd'hui, c'est terrible. Moi, je ne sais pas comment vont vivre les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui. Monde hors contrôle, frère. Dunia haiwezi tena kuongozwa kabisa. Ce qu'ils voient sur Internet, nani njoo yuko anatawala vile, nani njoo yuko anaongoza vile. Tout est hors contrôle. Si on continue comme ça, comment se seront les choses? Vous voyez une femme, je ne parle pas de nos sœurs ici. Tokia yulu mpaka chini, tout. Elle a des faux cheveux. Elle a des elle coupe les sourcils. Elle dessine avec un crayon. Elle met même des faux cils. Elle allonge les cils comme ça. Les cils commencent à mesurer 2 cm. Les lèvres, elle peint des lèvres. Il y a même des femmes qui font pousser des barbes. Ça, c'est l'enfer, non? Il est inexcusable comme ça. Il fait pousser des barbes. Ça ne suffit pas. Haitoshi. Na maziba. Anatia maziba yenye bana mubandika na huku nyuma bana bandika. Wewe na wewe amuepuze wa kwenda. Alors aussi qui fait pas les pouces toi qui dois partir. Elle porte un pantalon serré. Toi aussi qui fait partie de l'épouse. Mutoto mwanaume. Alors toi tu es en train de suivre celle-là. Et ça c'est le monde où nous sommes. Nanjo dunia tu. Mais demain ça serait comment? Ça quelque chose vitakuwa. C'est partout frère. Ni bitu miharibika fasi yote. C'est hors contrôle. Bitu kabisa haviezi tena kuongozwa. C'est pourquoi? Njo mana. Avant que cette promesse arrive. Bele ile ahadi itimie. La nuit est déjà avancée. Usiku imesonga mbele sana. Njo yenyewe wa Roma wanasema tutaenda mbele. Je suis fini là. Leo mie kabisa. Mais le montant là. Lakini wakati yangu. Allez. Romain. Wa Roma. Peut-être on ne veut pas lire, il faut qu'on invite. Ça zingine, Romain dit la nuit est avancée. Romain nasema usiku imesonga mbele na asubuhi na karibia. Da Isaïe. Katika Isaya. On demande à la sentinelle. Bana lomba bana uliza zamu ni saa unasema nini usiku tazamu na jina. Eh, mais la nuit est déjà avancée. Usiku imesonga mbele. Le matin vient. Asubuhi inakuja. Frère, mais moi je suis pas dit.
promesse. Avant que l'enlèvement arrive, nous devons expérimenter les promesses. Dans ta vie, baptême du le baptême du Saint-Esprit dans ta vie n'ont pas l'imaginaire. Son esprit, Frère, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, comment vas-tu attendre aller dans l'enlèvement si tu n'as pas encore la foi pour abandonner la débauche? Frère, la foi là, Iman, en toi, dani qui doit pousser, et n'y en a pas cette foi qui doit te pousser à t'humilier, à arranger ta vie, ça manque aujourd'hui. La foi dans les vents sera où? Il n'y a pas nous tromper. Oui, aujourd'hui, si Jésus vient dans cette salle, maintenant, mettons tout de côté. Maintenant, la venue du Seigneur maintenant. Est-ce que tu vas partir? La réponse est là. Jibu iko. Si ton cœur te condamne, kama moyo wako na kuhukumu, mais lui il est plus grand que ton cœur. Yeye ni mkubwa kuliko moyo wako. Et lui n'habite jamais dans la condamnation. Na yeye hakae katika hukumu. On va se mettre debout. Tutasimama. Je vois que le temps est parti. Naona wakati imeenda kabisa. Frère, ndugu, c'est maintenant. Ni sai sasa. Il faut que nous soyons prêts. Jwe nafatu kwe tayari. Pour que nous puissions l'attendre. Jutu mungoje. Et pour que nous soyons prêts. Il tout est tayari. Et pour que nous puissions aimer son avènement. Il tout pate kupenda qui aime dans cette salle que Jésus vienne. Nani mwaichumba mwenye napenda Yesu arudie. Voilà. Sinon, kama si vous venez. Sinon, tu vas dire dans ton cœur. Kama si vous utasema ndani ya moyo. Moi je dois d'abord planter. Oh, mimi nafa kwanza nipande, nafa kwanza nioe, nafa kwanza nifanye. C'est-à-dire tu n'es pas prêt. Manake hauko tayari. Tu vas dire non, il faut qu'il vienne demain parce que il faut que j'arrange quelque chose. C'est pourquoi cette écriture de Luc, verset 23 et 28, doit nous interpeller. Jésus a dit, plairez sur vous-même et plairez sur vos enfants. Nous devons plairer sur nous-mêmes et sur nos âmes. C'est le temps, les frères de Temka, c'est le temps que nous devons plairer sur nous-mêmes. Jésus-Christ disait que ma parole, quand c'est envoyé, ça ne peut pas venir sans effet. Ça va agir. Ça dépend de l'état de ton âme. Si tu es prêt, même ce soir, Dieu peut te toucher. Ce jour-là, cette femme, elle avait un problème. Elle s'est approchée de Jésus. Elle a dit, moi je suis indigne. Je vais juste toucher sa robe. Et moi je serai guéri. Oh, cette fois-là, quand elle a touché, la puissance est sortie. Elle était guérie. La foi de cette femme est où ici? Qui peut toucher notre Seigneur pour qu'il puisse agir dans ta vie? Dans ce message, il y a le vrai miracle. Oui, dans ce message, il y a la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu, même ce soir, peut confirmer sa parole. Mais oui, c'est vrai. C'est pourquoi la chorale va nous chanter. On va adorer pour que nous puissions prier. Okovu 84. Les nimbos à Okovu numéro 84.
On va adorer le Seigneur dans l'esprit de méditation. Que chacun se pose la question. Nous avons des promesses. Nous avons reçu la parole des promesses. Où est la foi dans cette parole? Où est l'obéissance? Où est l'esprit des promesses en nous? Chacun va prier.
Mungina la bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kesho usiku na mchana. Demain la nuit maombi. Comme le jour il y aura prière. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kwamba notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que muombe bila kuchoka. Priez sans cesse. Muombe bila kuchoka, tusinegliger maombi. Priez sans cesse, ne négligeons pas la prière. Na tu takumbuka safari, Mungu wetu abariki safari ya ndugu yetu major. Que notre Dieu bénisse le voyage Samuel, de notre frère major Samuel. Ikunenda huko ngambo ya Kinshasa. Il va à Kinshasa. Na anyoroshe wagonjwa mukono wa uponyaji. Et qu'il étende la main de guérison sur les malades. Ku charité maternelle. À la charité maternelle. Pasteur Kabanza iko mu chambre numéro 12 ku clinique. Le pasteur Kabanza est dans la chambre numéro 12 à la clinique. Na dada yetu muka wa ndugu Filemon iko sœur femme de frère Filemon. Chambre numéro 7. Et aussi dans la chambre numéro 7. Na kuna ndugu yetu pasteur Jacques. Il y a aussi notre frère pasteur Jacques. Wa Minembwe. De Minembwe qui est aussi là. Iko mu urgence. Lui, il est aux urgences. Twende na salama ya Bwana wetu Yesu Kristo. Allons avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Baba na opa, 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 na opa